C'est parti. Bon, ce circuit-là, ça dépend. Des fois, j'y arrive assez bien. Voilà, c'est mal parti, parce que je prends assez mal les virages. On apprécie bien évidemment. Et tant que j'arrive en fait dans les 10 dixièmes, ça me va, tu vois. Enfin, dans les 10 premiers, c'est les 10 dixièmes. Oula. Alors, après, tu vois, c'est pas vraiment mon objectif d'être tout en premier, enfin. Le but d'une course, c'est d'être premier, forcément, mais. La voiture n'a pas la capacité, normalement, d'être tout en premier. On a un bon moteur, certes, mais. Ok. Attends, je suis quatrième, on se débrouille bien. Après, c'est vrai qu'on a quand même bien amélioré la voiture, donc forcément elle est un peu plus. En moteur, on n'a rien changé. C'est moins l'aérodynamisme où la voiture, du coup, bah, vu qu'elle dérape beaucoup moins, bon, pas beaucoup moins de temps dans les virages. Bon, on glisse quand même de temps en temps, mais bon, beaucoup moins. Allez, 5ème. Bien joué. Bon, en ce moment, j'arrive beaucoup 4ème ou 5ème, quoi, c'est cool. Bon, c'est pas pour ça que. J'ai tout en mes courses. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Hamilton, Bottas et Max Verstappen. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre ce Grand Prix en intégralité. Et tu vois, Mike, toujours 20ème. Tu vois, je peux faire ce que je veux, hein. J'aimerais toujours la voiture et tout, mais non. Nous sommes de retour au Castellet pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Renault a remporté sa première victoire au Grand Prix de France lors de sa course inaugurale en 1906. Il leur faudra ensuite patienter 73 ans avant de pouvoir de nouveau saisir le trophée. Nul doute qu'aujourd'hui, ils donneront tout pour satisfaire leurs fans français. 6 virages à gauche et 9 à droite, soit 15 virages en tout, pour ce circuit Paul Ricard, long de 5,8 km. La vitesse moyenne se situe autour des 230 km/h, avec un pic sur la ligne droite du Mistral, avoisinant les 330 km/h. C'est Nicolas Martin qui me rejoint aujourd'hui pour suivre ce Grand Prix. Nicolas, quel est votre pronostic ? J'ai été impressionné par sa performance en qualification. Mais peut-il concrétiser cette pole position en victoire avec toutes ces monoplaces redoutables autour de lui? Ceci dit, tout incident qui surviendrait au premier virage changerait complètement la donne. Espérons que toutes les monoplaces s'en sortent intactes. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Lewis Hamilton part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Vettel, Baron et Leclerc, Albon, Sainz, Ocon et Sergio Perez, Ricciardo, Stroll, Lando Norris et Grosjean, Gasly, Raikkonen, Daniel Kvyat et Kevin Magnussen, Russell, Schumacher, Giovinazzi et Nicolas Latifi. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Je sais qu'on court dans ton pays aujourd'hui, mais considère ce Grand Prix comme n'importe quel autre. Ne prends pas de risques inutiles. Ok. 50 points de chaîne, j'ai max. T'es loin d'un million encore. Hein. Ok, on vise le podium. Ok, go. Oh, merci pour le follow. Monsieur Risca, comment vas-tu? Ah, je sais, je peux piloter. Et lire en même temps, je sais. Non, mais c'est un certain talent, tu vois. C'est un talent qui a failli me coûter un aileron, mais. Ne pas le faire en conduisant en vrai, bien évidemment. Bon. J'essaie de lire en ligne droite, hein, parce que en virage, c'est compliqué. Ok, trop intéressant le follow for follow, parce que forcément, tu vois. Moi, ça dépend à quelle heure tu fais des streams, mais.
Si c'est à peu près dans la même plage horaire, en vrai, c'est. C'est plus susceptible, tu sais, à avoir des follow fantômes, tu sais, des personnes qui viennent pas. Ce qui est pas intéressant, en fait, tu vois, pour une évolution de chaîne, tu vois. C'est pas ce que je veux dire. Après, j'irai quand même voir ce que tu veux, tu vois, c'est pas un souci. En tout cas, merci à toi d'être passé. Par contre, là, j'ai pris hyper large. Allez, rentre-moi dedans, je te dirai rien. Après, si lui nique son aileron, c'est son problème, hein, c'est pas le mien, mais. Bon, on va quand même essayer de récupérer la. Troisième place. Le podium avant tout. Après, quatrième, c'est déjà bien, on a quand même gagné une place. C'est déjà ça. Hein. Mais bon, faut pas se contenter de si peu en fait. Autant les Mercedes là. J'ai accéléré beaucoup trop tôt, on l'a bien vu. Ouais, par contre, j'ai Vettel aux fesses. C'est étonnant d'ailleurs que la course d'avant, les Mercedes nous collent au train. Et on a quand même réussi à finir devant eux. Et que là, des fusées, les trucs quoi. Il y a le drapeau jaune derrière. Ouais, Verstappen il a eu un peu d'avance parce que ouais, je me suis un peu foiré dans le virage. J'ai accéléré un peu vite, ça c'est de ma faute. Une seconde 3. Ah tu vois, je le rattrape bien là. Forcément, dès que tu fais une erreur, t'en payes les conséquences. Hein. C'est pour ça que j'essaye beaucoup d'améliorer mon aileron arrière. Pour avoir plus d'adhérence possible en vrai. Mais bon, en même temps, faut aussi que j'aille venir l'aileron avant, forcément. Le problème, c'est que t'as beaucoup de trucs à améliorer en même temps sur la voiture, donc forcément. Ça crée des petits problèmes. Parce que je peux pas améliorer tout en même temps, en fait, j'ai pas assez de temps. Donc, bon, déjà, avec l'amélioration moteur que j'ai, j'aurais quand même pas mal d'avance, donc je pourrais le. Je pourrais laisser de côté un peu pour l'instant le moteur. Et toujours regardant en œil à ce que fait la concurrence, parce que. Si j'améliore plus le moteur pendant X temps et que je regarde pas, au bout d'un moment je vais avoir un sacré retard. Pour ça il faut mieux mettre de temps en temps quelques améliorations sur le moteur pour dire qu'on améliore et qu'on a quand même une bonne puissance moteur. Parce que là, du coup forcément on a l'avantage d'avoir un beau moteur. C'est utile sur certains circuits mais pas sur tous quoi. Ah, par exemple, ici, le moteur, il est quand même utile. Je crois que le Verstappen, en fin de compte, je vais pas pouvoir le rattraper parce qu'il est déjà à 2 secondes. Pourtant, j'essaye, hein, mais... Est-ce qu'on peut t'adore ? Alors, je dis complétado à chaque fois, mais je sais pas si ça veut dire compliqué, vraiment compliqué en espagnol. Hein. Aucune idée. Autant j'ai des notions, mais autant ça, je sais pas. Ouais, je pense quand même. Ah, allez, faudrait que je vérifie. Il m'a mis 5 dixièmes en deux secteurs, quoi. Il est rapide. Moins rapide que Vettel en tout cas. Et que le. Bah non, du coup, c'est Leclerc qui est maintenant derrière moi. C'est vrai que les Ferrari, pourtant, cette saison, c'était marqué que c'était eux qui avaient les meilleurs moteurs. Complicado. Merci Max. LV5 espagnol, non? Bon, pour l'espagnol, c'est pas vraiment compliqué comme langue. Hein. C'est quand même basique, on va dire. Deux secondes 7, il est loin. L'espagnol,
Un mot facile. Ah, plutôt facile l'espagnol, ouais. C'est t'as beaucoup de mots qui sont similaires en vrai en espagnol qu'en français. T'as juste à remplacer la dernière lettre par un O. Ou par un A, ça dépend. Ça dépend du mot. Fais attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. T'inquiète. Bah moi je trouve que en général à chaque fois c'est ce que j'ai dit. Hein. L'incident est terminé, réaccélère. Un pot vert. Vertua safety car. Attention, attention, la voiture de sécurité virtuelle intervient. Réduis ta vitesse et garde un delta positif. Ouais, un delta positif et non un delta plane. Il n'a rien à voir, hein, évidemment. Entendu hier. C'est triste. Ah bon, on peut pas piloter et faire des blagues. Désolé, mais. Oui, allez. Pourtant, j'irai fort. Ah, mais j'ai pas entendu jusqu'ici, tu vois. Peut-être parce que c'était pas drôle. Bah c'est bien 40 avec ouais, quoi c'est pas les bons. Ok c'est bon ça a repris. Mais à chaque fois qu'il y a la virtual safety car, à chaque fois je perds du temps en fait. C'est ça qui est un peu relou. Ok vous avez rien vu. Je vous efface les mémoires. Oula, par contre j'ai reculé un peu trop. Tu vois ça par contre quand les pneus commencent à être usés. Tu vois, tu peux rouler sur le dos, le vibreur, ça fait rien. Je voulais voir le crash. Quel crash? J'ai rien vu, moi. Depuis tout à l'heure, je suis sur le circuit. J'ai rien vu, moi. Allez, effacez la mémoire pour ça pour la deuxième fois. S'il vous plaît. Oh putain! Ne jamais faire ça sur autoroute. Comment j'ai coupé les voies. Putain, quand tu roules à 60 km/h, t'as l'impression de pas avancer dans le jeu là. Bon, en même temps, 60 km/h, c'est pas une vitesse très rapide. Aucun arrêt, ok. Que Jeff. Du coup, je vais pas gagner de temps. Ouais, si, j'ai dû peut-être rattraper un peu Verstappen, mais bon. C'est pas ça qui fait que je vais gagner. Hein. Enfin, que je vais gagner. Que je vais être sur le podium. Hein. Bon, en fait, tous ceux qui se scratch ou qu'on casse moteur ou des trucs comme ça, c'est jamais des mecs qui sont devant moi. Enfin, ça, c'est triste. Ah oui, putain, je suis en riche depuis tout à l'heure. Forcément. De toute façon, je peux rester comme ça, de toute façon, je peux pas trop rattraper le Verstappen. Donc, De toute façon. Peut-être tant pis, hein. Allez, toujours à 3 secondes, ouais, ça va. Il est pas trop loin. Faut que je surveille aussi Vettel. Bah du coup c'est Vettel qui est derrière maintenant. Peut-être que le clair s'est pas arrêté ou je sais pas. Le coéquipier te semble. Ça se prononce pas Mike normalement. Je sais pas. Hein. J'appellerais plus Mike que Mick, mais bon. Ok, on repasse combien? 6ème. Parce qu'il y en a qui sont pas encore arrêtés. À
Et du coup, ouais, Leclerc, quand il est sorti derrière tout le monde. Du coup, il a fait une très mauvaise opération. Ouh, je le rattrape, le petit Verstappen là. Qu'est-ce qui lui arrive d'un coup? Il perd du temps comme ça. Dommage qu'il n'est pas tombé sur les autres avant, parce que ça aurait pu le retarder et j'aurais pu revenir un peu sur lui. Ah, c'est que l'autre, il va arriver sur eux, qu'ils vont à peine rentrer au centre quoi. Donc j'aurais pas le temps d'en profiter. J'arrive quand même à gagner du temps là. Hein. Ouais, qu'il perd pas de temps par rapport à ceux qui sont devant lui. Il reste plus beaucoup de tours en plus. Ah, est-ce que c'est moi qui ai été vite dans ce tour là ou. La puissance du moteur va un peu diminuer. Ou Verstappen qui a été lent. Après, j'ai amélioré mon temps de 1 seconde aussi quand même. Je sais pas si. Je sais pas. C'est peut-être la voiture qui est plus adaptée à ce type de pneumatique aussi, attention. C'était juste un coup de chance, d'un coup il va repartir, tu sais. On va voir. Ça semble que j'arrive à l'attraper, tu vois, ça fera un beau combat. Deux secondes, 3, voilà. Oh, je sais pas. Du coup, je peux pas trop mettre en rush parce que, ouais. Il y a pas ce qu'il me faut en essence donc. Non, je sais pas, il est un peu un choix plus rapide que le tour d'avant en fait. C'est peut-être moi, je sais pas. Non, j'essaie d'aller au plus vite possible, mais. Avec certaines limites, bien sûr. Parce que... Sinon, je couperai tous les virages. Voilà, et j'étais à 1 seconde 8. J'ai le cul qui a dérapé, j'ai perdu 4 dixièmes. Même 5. Les erreurs, tu les payes cher. Hein. Après, forcément, plus tu montes le jeu en difficulté, forcément, et plus les. J'ai freiné trop tard. De toute façon. A chaque fois que je me donne comme objectif de finir sur le podium, à chaque fois j'y arrive pas. C'est quand même fou. Hein. En quoi c'est pas parce qu'on a réussi à faire une bonne course au Canada que. Oui, Jeff. Pas parce qu'on a réussi à faire un bon Grand Prix au Canada, je vais y arriver. C'est Jeff qui m'a coupé. Que forcément je vais pouvoir initier l'espoir sur un circuit. Hein. C'est vrai, 4ème, c'est pas quand même. C'est pas la mort non plus, mais bon. Au moins, déjà. Au moins, on est dans les points. Les sponsors vont nous payer, c'est déjà bien. Mais j'essaierai d'améliorer le simulateur. Peut-être que ça aidera le jeune Mike. On verra. Je sais pas combien c'est. Je crois que le minimum déjà c'est 2 millions. Le problème c'est qu'ils t'ont mis des prix. Ça coûte cher. Hein. Un peu large, mais bon, ça va. Deux secondes 7. Ouais. Ah, ça va, Vettel est quand même loin derrière pour l'instant. Je pense. En fait, à chaque fois ce virage là, je fais beaucoup trop tard, j'ai l'impression. Donc, déjà, forcément, ça me fait perdre énormément de temps.
Ok, la bite ça dégage. Ça c'est fait. Voilà. Ouais, bien sûr. Là ça se voit que c'est moi qui perds du temps, tu vois. Parce que je fais pas mal de petites erreurs donc. Après ça se voit que j'ai pas une conduite parfaite, hein. Sur la 3 secondes, il reste un peu plus que 3 tours. Bon, non, il reste à peine 3 tours. Hein. À moins que je fasse. Je rattrape une seconde par tour, mais ça va être compliqué. Ou une casse moteur. Alors, je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir une casse moteur dans le jeu. Hein. J'ai déjà réussi à faire monter le l'usure d'une boîte de vitesse à 100%. Elle a jamais pété la boîte de vitesse, hein. Hey, salut connard. Hey Damco, comment vas-tu? Bienvenue. Bah, je suis désolé, tu peux pas monter dans la monoplace parce que, comme le nom l'indique, c'est une monoplace. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais il existe des monoplaces justement à 3 places. Mais c'est pas fait pour faire la course justement, c'est plus Ah, ça va tranquille. Tranquillement. Hein. Juste avant, au Canada, on a réussi à faire notre première victoire. C'était beau. Je pensais pas, hein. Je pensais juste faire une. Voilà, un podium, j'y arrive. Et en fin de compte, on a quand même réussi à avoir les Mercedes. C'était beau. Autant les Mercedes ont un moteur mais 10 fois mieux que nous. Et étonnamment, je sais pas, ils étaient mous. Bon là, par contre, sur cette course, ils sont pas mous du tout. Hein. Peut-être que leur moteur, ils étaient en fin de vie aussi, hein. Leur pièce moteur était en fin de vie, donc il avait beaucoup moins de puissance. Peut-être pour ça qu'on a réussi à prendre l'avantage sur eux. C'est pas impossible. Que là, c'est vrai que là, même le Verstappen, il est en train de nous mettre une raclée, mais. Attention, on n'a pas la voiture fait pour, hein, on a vraiment une voiture bas de niveau quand même. Hein. La voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. C'est m'étonnant que. On a quand même à se passer 4ème avec une voiture aussi merdique qu'on a quoi. Et pourtant, j'essaye d'améliorer comme je peux, hein, mais non, la voiture ne veut pas. Parce que c'est impressionnant, avant dans les anciens F1, j'ai l'impression que les autres écuries n'évoluaient pas aussi vite en fait. Alors que là, j'ai l'impression qu'on en monte tous en même temps. Enfin forcément on en monte tous en même temps, mais ils évoluent aussi vite que nous, donc forcément pour reprendre l'avantage c'est assez compliqué. Bon, il va nous rester un tour. Le Vettel il est pas plus rapide que nous donc ça va. En fait voilà, on a la même voiture qu'une Ferrari. Depuis tout à l'heure il est à la même. Il est à égale distance à peu près depuis tout à l'heure donc. Donc bon. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Ah ça va, j'ai assez, j'ai pas besoin de me mettre en pauvre. Secondes 8, ça va. Je vais plus regarder Vettel que Verstappen parce que Verstappen c'est bon, on sait que c'est foutu. On le voit loin, hein. Il nous fait coucou de loin, mais. Et d'ailleurs, on voit même le Vettel dans les rétros. Si on fait pas d'erreur, normalement ça devrait aller. Pas comme en Chine.
Non bah regarde, il a la même vitesse que nous le Vettel. Le temps il restait figé, t'sais. Ok, bon bon, ça sera bien battu. On a gagné une place. Merci Jeff. On aurait gagné une place. Là pour l'instant je suis à la manette. Parce que j'ai une flémangite aiguë de bon cheval en fait. Voilà, tu sais tout. Non, c'est surtout que là j'ai pas trop la place en fait de mettre un volant. Avec tout ce que j'ai là. Mais franchement à la manette ça se conduit hyper bien quand même. Se comparer à la manette PS4, la PS5 sur les gâchettes t'es beaucoup plus précis en fait. Donc tu peux donner beaucoup plus une impulsion plus précise. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'étais clair. En tout cas moi je me suis compris. C'est déjà pas mal. Bien joué Carlos. Un nouveau Grand Prix de France s'achève sur une victoire amplement méritée. D'après vous, Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Ouais, ouais, bien joué à Bottas. Bien joué. Mercedes très très rapide. L'avance qu'ils avaient sur nous, ils étaient à plus de 10 secondes. La fois que j'avais regardé. Ils doivent être facilement à 15 secondes, fin de course. On va voir ça. Examinons le classement des pilotes. Ce résultat réduit l'écart entre le leader du classement et les autres. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous, Nicolas Martin? Carlos Sainz n'est pas du genre à plaisanter. Sa capacité à suivre les stratégies de course avec une précision chirurgicale est extraordinaire. Passons à présent au constructeur. Mercedes conforte sa position de leader. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. Quel grand prix passionnant nous venons de vivre. Retrouvez-nous très bientôt, Nicolas et moi-même, pour un nouveau week-end de Formule 1. Ok. Bon bah Mike, 19ème comme d'habitude. Bon ça va, nous 4ème. Ouais voilà, tu vois, il est plus de 15 secondes. Donc compliqué tout ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like.